Oui, j'ai fait un cauchemar, je crois. C'est fini. Ouais, c'est fini. Vraiment trop contente d'y aller avec toi. Moi aussi, ma belle. Mais tu prends un grand risque. Hein. Si ça se trouve, je vais pas du tout aimer. Mais si, je suis sûre que tu vas adorer. Aucun risque. De toute façon, même si ça plaît pas, je prétendrai le contraire. Hein. Juste pour te faire plaisir. Ah non, faut être honnête et se dire les choses. C'est la base d'une relation. Si tu ne fais pas ça, tu vas me faire du mal et t'auras affaire à ma mère. Je plaisante, ma belle. Si j'ai quelque chose à me dire, je te le dirai. Ah, il dit jamais rien. Du coup... On se parle plus. Enfin si, on s'engueule à propos du petit. Mais crois-moi, ne fais jamais d'enfant. Non mais heureusement, ça va vous changer les idées ce soir. Ça peut que vous faire du bien. Écoute, je sais pas si on vient. Le petit est malade, j'ai pas envie d'imposer ça à la babysitter. Non mais tu plaisantes ou quoi? Ça fait un an qu'on a pris les places et encore plus d'années qu'on n'est pas sortis tous ensemble.
Je sais, mais ça va être la course. On vous laisse les places et puis vous irez avec des amis. Ah non, mais je rêve. Si tu fais autant d'efforts avec ton mari, ça m'étonne pas que vous parliez plus. Hein. Excuse-moi. Allez, viens, s'il te plaît. Ça fait tellement plaisir à maman quand on sort tous les deux. Tous les quatre, tu veux dire? Justement, encore plus. On verra. Bonne soirée. Bonsoir. Parfait, bonne soirée. Ah, c'est bon. Bonne soirée. Bonsoir. Ok, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Parfait. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci. 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 Ils sont pas là, ta sœur? Je sais pas. Ben, on voit un message. Attends, je suis en train d'envoyer un message à la babysitter. On l'a quitté il y a 20 minutes, je pense qu'elle s'en sort. Ah, mais je lui ai pas dit où était le doliprane. Bon, je leur envoie un message. C'est bon, t'es prête? Oui, oui, t'inquiète pas, j'ai juste mon manteau à mettre. Est-ce que tu peux me le prendre, s'il te plaît? Il est dans la penderie. C'est le bleu? Oui. Ok. T'es sûre que tu veux y aller en escarpin, au concert? Ah ouais, t'as raison. Ok, j'arrive. Ta chérie, mène-toi, ils y sont déjà. Ils demandent où on est, je dis quoi? Oh, dès l'heure qu'on est en route. Bon, ok. Bon, on prend la voiture ou on y va en métro? Non, mais la voiture, ça ira plus vite. Merci, allez. Ok, allez. Oui! Ils sont en route. Ok, on devrait pas tarder alors. Invitation, c'est bon. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est bon, bonne merci. Soirée. Okay, nickel, bonne soirée. Bonsoir. 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 Bonne soirée. Merci. Parfait, bonne soirée. Bonsoir. 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 Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonsoir. Nickel, bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Merci, tenez. Merci. Passez une bonne soirée. Ah, bonjour, tu travailles ici? Oui, ça fait longtemps. Ça va bien? Ça va, la routine, métro, boulot, dodo. Non, pas ce soir. Métro, boulot, concert. Salut. Salut. Charlène, salut. Baptiste. Salut, Violette. Hey, ça va mon lapin? Tout s'est bien passé? No comment. Non, mais je vous ai pour venir, pas de soucis avec le billet. Bah non, tu vois, je suis là. Et puis, je connaissais le videur. Ah bon? Oui, je l'ai déjà vidé. C'est fin, ça. C'est dans l'ambiance du concert, non? Bon. Et la journée, ça s'est bien passé? Je
lui ai envoyé un message pour essayer de discuter. Il a même pas répondu. Pourtant, il était connecté, tu vois, il l'a lu. Mais bon. Ouais, justement, oublie-le pour ce soir. J'ai vu des vidéos du groupe sur YouTube, ça a l'air vraiment pas mal, hein. Tu vas voir, on va passer une super soirée. Ça m'étonnerait, j'aime pas le rock. Oui, bah justement, c'est pas du rock. Allez, viens, on va prendre une bière. Bonsoir. Bonsoir, deux pintes, s'il te plaît. 10 euros. Merci. Bonne soirée. Tu fais quoi, là? Bah, je m'identifie au concert, là, sur Facebook. Comme ça, ce connard verra ce qu'il a raté. T'es con, tiens. Voilà, bonne soirée. À nous. Et à notre premier concert. Alors, tu veux qu'on se pose où? T'as plutôt devant, sinon je vais rien voir. Ok, allez, viens alors, suis-moi. Ils sont toujours pas là, ils t'ont pas envoyé de message? Ah, je te l'aurais dit. Bah, je sais pas, t'as les yeux rivés sur ton téléphone. Ah, je règle des trucs. Alors, écoute, essaie de profiter un peu, faut profiter, on vient pas là tous les jours. Promis. Va nous chercher à boire, je les appelle. Salut ma chérie, ça va? Bah oui, et vous êtes où? Bah là, on est dans les... Non mais on va se garer là, on cherche une petite place. C'est chez vous, ça va bientôt commencer là. Oui, ça marche ma biche, tu nous gardes une petite bière alors. Ok. A tout de suite. Mais on est pas du tout en train de se garer là, pourquoi tu leur racontes des conneries? Non mais je la connais, si on lui dit qu'on va être à la bourre, elle va être de mauvais poil. Et puis j'ai tellement galéré à la motiver à venir. Ouais, ok. Merci. Alors, ils sont où? Ils arrivent, ils se garent. Bah, t'aurais dû me dire, je lui en aurais pris pour eux aussi. Ah, c'est bon, t'y retourneras. Allez, au concert. Elle sort d'où, c'est moi? C'est les nièces de mon oncle Lagarnais. Non, je déconne. C'est des potes de Xavier à la base. Je les ai vus en arrivant. C'est qui, Xavier? Mais si, tu sais, le mec de l'escape game, là. Ah, mais il vient pas d'ailleurs? Il était pas mal? Non, je crois pas qu'il vienne. Mais si tu veux un petit mec mignon, il y a lui là-bas, qui a pas de pas regarder. Un peu jeune, non? Oui, bah justement. On s'en fout, parce qu'il te regarde. Eh bien, ça prend jusqu'à derrière. Merci. Pardon, bonjour. On est pas mal, là. Parfait. Ça commence bientôt? Ouais, ça devrait plus tarder. Ils aiment se faire désirer, comme d'habitude. C'est la première fois pour vous? Oui. Ouais. Oh, vous allez voir, ils sont géniaux! Bonsoir. Bonsoir. Parfait, bonne soirée. Merci. On va pas tarder à démarrer. Ok. Merci. Bonsoir. Pardon? Ça va commencer, on se rapproche un peu? Ah non, ils vont pas nous retrouver après. Rappelle-le. Oh non, laisse tomber, elle va nous prendre la tête. Ok. Puis c'est quoi tous ces travaux là? Elle cherche un trésor ou quoi, Hidalgo? Je sais pas. Ah!
bateau, on va tout rater. Bah enfin, mais trouve une place si t'es si forte. Ah bah, regarde là, c'est parfait. Bah, c'est pas du tout une place, ça, on va gêner tout le monde si on se met là. Non mais, on n'a pas le temps, on s'en fout, garde-toi, je te dis. Bon, ok. Tiens, tu me gardes les clés, chérie. Don't
Bon bah ça va, je pouvais pas savoir. Bah écoute, passe-moi les clés, je vais aller la garer ailleurs. Non, tu sais quoi, c'est de ma faute. Je m'en charge. Toi tu prends les pintes et tu profites du concert, ok? Ok. C'est dans le show ? Non mais c'est des tarés.
quelqu'un est touché. Moi, ça va. Est-ce que vous avez vu ma copine? Non. Je sais même pas où il est. J'espère qu'il va bien. Quelle soirée de merde! Tous ces corps, cette odeur, ces bruits. Je ne suis pas morte, mais je suis déjà en enfer. J'ai de la chance, je suis vivante. Pour l'instant. Putain, qu'est-ce que je fous là? Je vais mourir ici, toute seule, au milieu de ces inconnus qui étaient venus passer une bonne soirée comme moi. J'ai pas envie de mourir. Pas ici. Pas comme ça. Et surtout pas maintenant. Calme-toi. Respire. Pense à autre chose. Il est où? Cécile? Non, impossible. On va s'en sortir. On va avoir une longue et belle vie, ensemble. Et on va être heureux, longtemps. On va voyager. Et on va se marier, avoir un enfant. Peut-être même deux. Pas de chien, par contre. On n'aime pas les chiens. Tant pis, on prendra un chat. On ira à Venise. Et c'est là qu'il me demandera de l'épouser. Et je dirai oui. Et on dansera pour fêter ça. Toute la nuit. Parce qu'on s'aime. Enfin, moi, je l'aime. Et je ne lui ai encore jamais dit. Il faut que je lui dise. Laissez-moi lui dire, s'il vous plaît, à lui. Et pas seulement. Maman. Non, elle va s'inquiéter. Mon frère. Oui, mon frère. Maman ? Faire le mort pour vivre. J'ai appris à rester calme dans des situations extrêmes. Mais eux, qui peut les préparer une chose pareille? Je n'ose imaginer le désastre. Et moi, je suis là, à faire le mort, sans rien pouvoir faire d'autre. Est-ce que je suis un lâche? Moi qui rêvais d'accomplir tellement de choses, je n'en aurais pas eu le temps. Mais si j'ai réussi à sauver des gens, je ne serai pas mort pour rien. Sans qu'on soit chargé. Faut y aller. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Reverrons-nous nos parents, nos amis et nos proches? Pourrons-nous retourner demain à notre vie normale? À nos maisons, à nos cours? On imagine bien un truc pareil, mais on ne pense jamais le vivre.
faut rester immobile. Respirez le moins possible. Pensez à des choses, pensez aux autres autour. Pourvu qu'il reste silencieux, qu'il reste immobile. Je veux juste fermer les yeux et me réveiller ailleurs. Dans mon lit, sous la couette, dans le calme absolu. Je souhaite la même chose pour lui et pour même la chose pour son pote et pour tous les autres dans cette salle. Alors que la violence ne devienne pas normale. Je cherche mon copain. Est-ce que vous avez vu un mec avec un tatouage au coude? Non. Vous pouvez demander à côté. Il doit être par là. Je cherche son copain, il a un tatouage au coude, vous avez vu. Ton ami est là. Qu'est-ce qui m'a pris de l'emmener ici? C'est pas possible, est-ce que tu peux être con, mec? Elle est si belle aujourd'hui. Je sais que j'aurais pu la tenir, la serrer, et revoir ses yeux briller ce soir. Retrouver son corps. Foutu. Bande de connards. Ça fait combien de temps qu'on attend? Oh putain, et la babysitter? On lui avait dit qu'on serait de retour à 23h. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rester, j'espère, et pas les laisser seuls. Léon est tout petit, si petit. On peut pas le laisser tout seul. Et nous, il faut qu'on rentre, il faut qu'on le serre à nouveau dans nos bras. Il peut pas vivre sans parents. Oh, je sais que tu m'en veux, tu serais jamais venu si je t'avais pas forcé. Mais je pensais vraiment que c'était notre chance. La chance de nous retrouver. Retrouver l'époque où on serait allé n'importe où tant qu'on était ensemble. Au moins juste un soir. Et je nous ai mis dans la gueule des loups, de monstres. Ne sentez plus les kilomètres passés avec la nouvelle gamme Citroën C4 et venez la découvrir pendant les portes. Pourrait être donc le fait des preneurs d'otages ou bien s'agit-il d'une intervention de la police pour justement permettre de délivrer les otages qui se trouvent à l'intérieur de la salle de concert? Écoutez, comme je vous le dis, on est à distance, la police nous a placés à distance. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que par expérience, les coups de feu qu'on vient d'entendre étaient assez étouffés. Or, étant donné la distance à laquelle on se trouve, on pourrait imaginer qu'il s'agit de coups de feu qui ont été tirés à l'intérieur du bâtiment et non pas à l'extérieur. S'il y en a qui veulent partir, levez-vous et partez. Chut. Oh, Seigneur Jésus, faites qu'on s'en sorte. Oh, Seigneur, je ne sais pas si tu existes, mais je veux bien attendre encore un peu avant de le savoir vraiment. J'ai peur. J'ai tellement peur. Mes enfants chéris, je veux vous revoir. Je voudrais tellement vous serrer dans mes bras. Et toi, mon amour, tu es toujours là, n'est-ce pas? Oh, ne m'abandonne pas, surtout.
T'ai-je assez dit combien je t'aimais? Je veux encore sentir mon corps frémir sous tes mains. Je veux t'entendre encore me dire ces mots d'amour, ces mots de tous les jours, mais qui me font quelque chose, comme elle disait. Combien de temps encore à rester ainsi prostré? Le supplice n'a-t-il pas assez duré? Dis-toi à mes parents que je les aime. Je m'appelle Camille Vidal. Hey, t'inquiète, je vais aller revoir tes parents. Pense à autre chose. Ouais, j'ai vu ça aux infos. Ah, c'est hallucinant, j'en reviens pas. Non, je crois pas. Mais tu vois, j'aurais pu y être, hein. J'adore ce groupe. Ouais, toi aussi. Ça marche. A plus. Ouais, c'est moi. Je crois que je connais quelqu'un qui y est. L'histoire du pingouin qui respire par le cul. Ben, un jour il s'assoit, il meurt. Tu sais ce que dit un papier qui tombe à l'eau? Ah ben, au secours, j'ai papier. Le concert commence très bien, c'est une super ambiance. Il y a comme une sorte d'effervescence dans la salle. C'est bon enfant, sympa, bonne musique, tout le monde s'éclate. Ça aurait dû être ça. C'était ça ce soir. On est 1500 et on ne peut rien faire face à trois petits cons, parce que ça, c'est le mot. C'est une aberration. Ils sont trois, on est 1500 et on est à leur merci. Ils nous mitraillent comme ça depuis... J'en ai aucune idée. Ça pourrait être une minute, ça pourrait être 10 minutes, c'est pareil. Je sais que je suis en apnée. T'as des fourmis dans les mains. T'es contracté. Tu peux pas respirer, mais tu bouges pas. Tu bouges pas. Vers la morte, c'est la seule solution. Ça a arrêté de tirer, non? Je peux me remettre à respirer? Et quoi ce cliquetis? Ah mais non. En fait, il est juste en train de recharger. Le moment le pire, c'est au moment du cliquetis. Mon dos est à l'air libre. J'attends la balle. Sans émotion. En me disant... Je sais pas, en me disant... Bien, la mort est là. Il y a une solitude quand la mort arrive. Elle va être là et je suis en paix avec moi-même. C'est un moment de grâce. Je le dis avec ces mots-là, mais je peux pas aller plus loin, car c'est quelque chose qui est tellement profond. Je rentre en mode survie. Mon cerveau sélectionne que ce qui peut être utile à ma survie. Donc c'est, tu te couches, tu rampes, tu te barres de là. On veut juste manger nos frères. Allez, venez. Venez par là. Vous savez, votre dernier concert était nettement mieux que celui-là.
Putain, qu'est-ce que tu fous là? Tu vas crever. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces mecs? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? On sait rien de mal, putain. Hey, calme-toi. T'es vivant là. Ça va rester comme ça, t'entends? Garde ton sang-froid, ça va bien se passer. Regarde autour de toi et analyse. C'est quoi les possibilités? Non, tu bouges pas, tu fais le mort, putain. S'il te voit bouger, le prochain chargeur, c'est pour ta gueule. Respire. Prends ton temps. Très bien. Ils sont de l'autre côté de la salle, ils te voient pas. Voilà, super. Comment tu vas? Pas de douleur intense? Arrête tes conneries, ils vont te voir. Pas de douleur intense, pas de sang apparent. Tu n'es pas touché, tu vas bien. Et elle, comment va-t-elle? Attrape sa main. Doucement, faut vérifier qu'elle va bien. Ok, elle va bien. Elle serre ta main, mais ne bouge pas d'un poil. Elle est maligne, bon choix garçon, elle a du sang-froid cette petite. Allez, c'est bon, arrête tes conneries maintenant. Tu fermes les yeux, tu fais le mort et tu pries. Tu pries Dieu même si t'y crois pas. Analyse la situation, ça t'occupera l'esprit. Combien ils sont? T'as entendu 3 voix différentes, au moins 3. Et ils sont où là? Ils sont tous montés? Tu les entends? Fais abstraction des pleurs et des gémissements. Putain, il y a des gens en train de crever tout autour de nous, ils vont tous nous buter. Ok, il y a des gens mal en point, voire pire. Mais faut se concentrer sur nous. Et maintenant, elle et toi, vous êtes vivants. Respire. La panique t'aidera pas. Voilà, super. Reste avec moi. Concentre-toi sur leurs pas. Ok, ils sont où? Ils sont partis? T'as vu des gens s'enfuir quand ça a commencé? Ils sont partis par où? Ok, ils sont sortis par là-bas. On n'est pas si loin. S'il y a une opportunité à un moment, tu la tires avec toi et vous courez aussi vite que vous pouvez. Si tu bouges, t'es mort, t'es au courant. Tu les as pas vus ceux qui ont essayé de s'échapper tout à l'heure? C'est trop tard. Tout est possible. Ils sont tous en haut. Non, je crois pas. Il y en a encore un en bas. Ça n'arrive donc pas qu'aux autres. Et dire qu'on a failli arriver trop tard pour rentrer dans la salle. C'est vraiment la guigne, quoi. On est passé à ça. Ma belle, où es-tu? Est-ce que tu es dehors? Est-ce que tu es re-rentré dans la salle? Il y a pire que cette peur stupide. Il y a l'incertitude. Je n'ai pas envie que tu meures. Je n'ai pas envie que tu t'inquiètes. Je t'aime. Et si tu meurs, je veux mourir aussi. Peut-être que tu n'es pas de cet avis, mais je ne me vois pas vivre sans toi. Mais on va peut-être s'en sortir. J'imagine que les secours ont été prévenus. Il doit déjà y avoir BFM Télé en boucle sur l'événement. Si ça se trouve, ils sont en train de t'interroger parce que tu es devant la salle, en pleurs. J'espère qu'on va s'en sortir. Mais tous les deux, où que tu sois, ma belle.
Je sais pas si ce que j'entends comme bruit sourd, c'est mon cœur qui bat fort, ou les pas des assaillants, ou des personnes qui fuient. Je ne sais même pas si je suis blessé. Je ne sens rien. C'est pas possible. J'ai l'impression de flotter au-dessus de moi-même, de me voir là, allongé, à faire le mort, sans distinguer le reste de la salle. Si au moins ça pouvait me permettre de voir s'il est vivant. Est-ce qu'il fait le mort comme moi? Ou est-ce qu'il est vraiment mort? Il s'est peut-être caché derrière la scène? Ou il a pu sortir? J'ose pas bouger, j'essaie de contrôler ma respiration. Faire le moins de bruit possible pour ne pas les attirer vers moi, qui m'achèvent sans aucune pitié. Satané hasard, je le maudis, je n'aurais pas dû être ici. Je ne connais même pas ce groupe, j'aurais dû le sentir. Tout ça prévu au dernier moment et me voilà sur ce vieux parquet sans savoir ce qui se passe. C'est long. Personne n'a eu le temps d'appeler les flics. Et dire qu'on doit partir en vacances dans 2 semaines. Il va m'en devoir des bières. Bali, ces paysages, cet océan bleu qui se mélange au ciel. Le rêve. Et là, je suis dans un cauchemar. Je dois pas être le seul en vie, j'entends des gens gémir. Ils ressentent la douleur? Je flippe de rien ressentir, c'est pas normal. Rien de tout ça n'est normal. Je ne sais même plus quoi penser, j'ai envie de pleurer, d'hurler, d'appeler au secours, de fuir, de retrouver mon pote, sortir cet enfer. Mais je contrôle rien, même plus mon corps. Et ce mec à côté, je ne le vois pas bouger, ni respirer. Il est vraiment mort? Dire que je suis peut-être à quelques centimètres de la mort. Je ne le connais pas ce gars et pourtant on est serré, comme si cet événement brisait toutes les barrières, et nous faisait danser avec la mort ou la vie ensemble. Et le boulot, qu'est-ce que je vais leur dire? Faut pas que je sois en retard demain, et je peux même pas appeler pour prévenir. J'espère que je vais pas me prendre de blâme. Qu'est-ce qu'ils font les flics, sérieusement? Ils prolongent l'apéro alors qu'on se fait tirer dessus. J'ai vraiment sommeil d'un coup. J'ai envie de dormir, pour pas vivre la suite. Et me réveiller comme si rien ne s'était passé. Ou peut-être que je me réveillerai pas du tout. Un rêve? Un rêve? J'ai trop insisté sur le qui avant de venir. Ouais, je rêve. Mais non, non, tu ne rêves pas, hélas. Ras-le-bol des connards qui se battent au nom de Dieu ou je ne sais quoi. S'il y a un Dieu, mais pourquoi laisser faire de tels actes? On nous a dit Dieu est amour. Mais c'est quoi cette arnaque? Alors, si c'est vrai, vas-y Dieu, fais un miracle. Désarme ces malades. Montre-toi, raisonne-les. T'es tranquille où tu es? Les pauvres gens. Et ces deux jeunes à côté de moi. Ils pourraient être mes enfants. Tenez bon les jeunes, on va pas se laisser faire. Mais que faire? Désarmer ces malades? Ouais, ouais. Mais comment? Et pas tout seul? Si seulement d'autres personnes avaient la même idée. On fait rien, on se fait massacrer. On essaye de se battre et... on finit pareil. Merde, ça me fait chier de flipper. J'avais pas peur de la mort. Et là, si près, j'ai la trouille. Ça fait mal, une balle. Mon père a connu ça. À mon tour. Et après, on va quelque part. Et ma famille, mes enfants, ils vont devenir quoi si je meurs? Même pas eu le temps d'être papy. Je laisse tomber. Désolé les enfants, je vous aime. Je me lève et finissez-moi. J'ai pas le courage d'attendre et de voir la suite. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir.
Je me sens étrangement calme. Est-ce parce que mon instinct primaire veut garder le contrôle et survivre? Ou alors est-ce que j'ai si peu d'estime pour ma vie qu'une issue fatale à cet enfer ne me fait ni chaud ni froid? C'est vrai, à quoi bon? Ce monde sombre dans la violence et la folie depuis bien trop longtemps. Et pour couronner le tout, je me suis fait larguer pour la énième fois. Vivre seul dans un monde pourri. Tu parles d'une raison de vivre. Non, j'ai honte parfois d'avoir ce genre de pensée. J'ai une vie privilégiée, un toit, un travail, une famille, des amis. Je suis heureux. Du moins, c'est ce que j'essaie de faire croire à Facebook, à Instagram, et surtout à moi-même. Et pourtant, chaque nouvel échec, chaque rejet, font petit à petit pencher la balance du mauvais côté. Et chaque soir, au coucher, alors que j'aimerais envoyer un « J'espère que ta journée s'est bien passée, bonne nuit », je me noie dans les applications à fantasmer sur le prochain connard qui me ghostera du jour au lendemain. La solitude, elle a de particulier que vous ne pouvez pas la partager pour vous soulager. Vous pouvez partager votre tristesse pour vous réconforter. Vous pouvez exprimer votre colère pour vous apaiser. Mais la solitude, c'est la vôtre, et la vôtre seulement. Et elle vous entraîne lentement, mais sûrement, dans l'obscurité. Et pourtant, mon cœur bat, fort, très fort. Je peux le sentir battre jusque dans la pulpe de mes doigts. Lui veut vivre, il me le fait sentir, il résonne dans tout mon corps, comme ça, il me hurle « Ressaisis-toi !» Tout le monde est immobile, le temps semble suspendu. Certains sont sûrement morts, mais impossible de savoir qui. Et dire que l'instant d'avant, ils étaient là, joyeux, insouciants. Et pourtant, eux aussi, ils devaient avoir leur côté sombre, leurs doutes, leurs moments de renoncement. Et toi, t'es vivant, putain! Eux ne sortiront jamais d'ici. Eux, ils pourront plus appeler leurs parents en larmes et leur dire qu'ils les aiment. Eux, ils pourront plus compter sur leurs amis pour leur faire oublier ce cauchemar à coups de sorties, de terrasses, de fêtes et de crier au monde « On vous emmerde !» Alors, mon Dieu, qui que vous soyez, je sais pas, je vous en supplie, laissez-moi vivre. Je suis pas parfait, j'aurai toujours ces moments de faiblesse où je baisse les bras. Mais sans hiver, on apprécierait moins l'été. Il faut être plongé dans les ténèbres pour que la lumière vous éblouisse. Ce sont aussi ces souffrances qui me font aimer la vie. Je veux bien me faire larguer, rabaisser, décourager 100 fois. Je me relèverai et j'aimerai alors 1000 fois. Je pensais être prêt à mourir. Mais en vérité, je suis prêt à vivre.